Et voilà, bande de combattants, les textes que nous avons, vous avons promis, nous allons prendre Excellence Monsieur Kidele. Lui, c'est l'habitude de cette émission, il va faire un parallélisme et son avis en ce qui concerne la situation politique en République démocratique du Congo. Bonjour Monsieur Kidele. Bonjour. Togolobalinga là, il y a qui moi, c'est que la politique congolaise est déboulonnée. Et déboulonner, et ça, combo, moi aussi, quand on a vocabulaire français, et Oyo, bah, ici, Bissot, Nicolas, ça a changé le système. Croyez-vous que si on déboulonne le système au Congo, le Congo va reprendre sa valeur? Déboulonner a un sens violent, nous devons le savoir, mais ce n'est pas un mot nouveau, que ce soit en français, en lingala ou dans n'importe quelle langue. Sauf qu'on peut le dire, ça va avec une violence. Bon, mais si on doit alléger le terme, déboulonner signifie juste apporter un changement. Et tout le monde crie au changement. Bon. Donc, et puis il n'est pas le premier, mais si. Félix Tshilombo a utilisé ces mots. Le mot a existé, ce n'est rien, parce que je sais que c'est une famille qui est spécialiste en des termes presque extravagants. Hein. On nous parle de l'état de droit, on nous parle de boulonnais et beaucoup de choses que son père a laissé comme. C'est l'unique héritage hein, qu'il a laissé aux Congolais, cet héritage-là des nouveaux mots. Bon, écoutez, il ne peut pas déboulonner le système. Parce que, comme je l'ai dit dans une interview précédente il n'y a pas longtemps, on déboulonne un système en s'attaquant à l'auteur ou à l'architecte du système. Parce que les idées sont conçues par les hommes, les systèmes sont mis en place par les hommes, et tu ne peux pas déboulonner un système qui est une théorie, sans avoir déboulonné l'auteur des théories. Alors, ce qui est à Zogolobaza, Tchakoumoko, comprendre. Parce que ce qui a l'ingé à déboulonner, la première chose, c'est réellement imposer la justice, un système juridique efficace au Congo. Donc, il faut d'abord qu'au Kanga, qu'au juger ceux-là qui ont fait du mal aux Congolais. C'est ça l'état de droit. Ce n'est pas ce qu'on veut nous faire croire. L'état de droit, ça signifie la décentralisation. La décentralisation était là depuis Mobutu avec le professeur Vundoua Tepemakau qui a introduit le concept de l'administration de Mobutu à l'époque. Professeur Kilele, Oui. les Congolais doivent attendre quelque chose. Pour ne pas dire le gouvernement ou soit du régime Tshisekedi. Il n'y a pas un gouvernement parce que. Du régime Tshisekedi. Non, il n'y a pas un gouvernement, il n'y a pas un régime. Il n'y a que lui, Hippolyte Katumbi Kanambe, et les gens qui étaient dans le gouvernement d'Hippolyte Katumbi Kanambe. Lui n'a pas un gouvernement. Et si jamais il nomme un gouvernement, on peut attendre un changement? Non, c'est un être humain. C'est notre souhait. C'est un être humain. Il peut changer, il n'est pas statique, il est dynamique. C'est quoi votre avis par rapport à la cohabitation, comme les gens proposent, Martin Fayulu et Tshisekedi d'y travailler ensemble? On n'en a pas besoin. Si ce monsieur Martin Fayulu, qui a gagné les élections, et comme nous savons que c'est lui qui les a remportées, il n'a qu'à se débarrasser de lui parce que Félix, c'est un corrompu, c'est quelqu'un qui ne mérite pas d'être là où il est, parce qu'il n'en a pas la compétence. Nous n'avons pas besoin des gens qui sont nommés. Hein. Ce n'est pas un poste ministériel, c'est la présidence. Il faut être élu au suffrage universel, je veux dire, par la population qui a confiance en vous. Le fait qu'il n'avait pas obtenu même 20% signifie que les gens l'ont vomi et les gens ne croyaient pas en lui. Merci beaucoup. Alors, Félix est lui-même dans les systèmes. Qu'il veut se décider de déboulonner. On ne peut pas, comme on l'a dit en français, on ne peut pas couper ou abattre l'arbre dans lequel on est caché. Il est arrivé là-bas,
grâce à des colonies, grâce à ce que les Anglais appellent les deals. Il a signé des accords qui ont vu son ascension à ce poste-là. Parce qu'il voulait être président. Il ne peut pas se tirer la balle dans les pieds ou dans la tête. Ce serait un suicide. Et donc, il n'a pas la compétence, il n'a pas la volonté de pouvoir déployer le système. Parce que lui-même est système. Il est l'élément du système. Alors, il n'y a rien qu'on peut espérer de lui. C'est juste un naïf, un trompeur de gens qui raconte des affibulations et des conneries. C'est tout ce qu'il est. Il n'y a pas d'espoir là-dessus. Et qu'il cesse de, distraire les peuples. De distraire les peuples. Le peuple n'a pas besoin de distraction. Nous sommes à un moment crucial de notre histoire où nous devons nous libérer, où nous devons, une fois pour toutes, nous imposer. Parce que nous avons raté ça avec Mobutu, qui était un charismatique, qui était un bon leader, mais qui malheureusement nous a quittés et n'a pas laissé le Congo sur l'échiquier des grandes nations au monde. Cette fois-ci ou jamais, nous devons tout faire pour couper cette tentacule d'être à la traîne d'autres gens, d'être des marchepieds des petites nations, des nations très pauvres telles que le Rwanda. Donc qu'ils cessent de distraire les gens. Il n'est pas dans une salle de cinéma ou une salle théâtrale où on ne fait pas les cirques là. Quand on est président, on est président. Ce n'est pas les cirques là. Donc il cesse. Voilà.